Tu vois là, gros problème. Quand tu vises dans des montants placo comme ceci, ça peut t'arriver très fréquemment que ta vis elle rip et du coup tu perds patience. Facile, petite astuce, je te montre. Alors tu vois là, je suis en train de mettre en place des montants M48 de chez BricoCash. Et donc je vais te montrer une petite astuce qui va te simplifier la vie dès l'instant où tu veux les fixer sur une poutre en bois par exemple avec de la vis placo. Tout simplement, avec une seule main, tu es moins stable. Donc tu forces et il suffit que ta perceuse ne soit pas complètement dans l'axe. Paf, ça rip. Pour pallier à ça, et bien du coup, tu te sers de ta deuxième main qui va renforcer la pression sur ta perceuse et du coup, ça va rentrer tout droit. Je te montre. Tu positionnes ta vis, tu mets ta main sur la machine et tu lances le vissage. Tu appliques la pression. Simple, efficace. Écoute, si cette astuce t'a plu, n'hésite pas, tu t'abonnes sur le compte BricoCash. Et je te fais vivre l'aventure. Allez, ciao.